Voilà, tu connais la vidéo d'après l'entraînement là. J'ai couru un peu tranquillement. Il est déter ou pas les gars? Il est quelle heure chez vous là? Il est quelle heure chez vous? Chez moi il est 8h. 8h, je vois que vous voulez jamais dormir. Déterminé les gars, toujours en Floride. Toujours en Floride les gars. Ah, 20h06, ah, ok. Bah dites-moi un petit peu de quelle ville vous venez. Quelle ville tu viens? Si jamais tu m'entends bien aussi. Mets-moi un petit yes si tu m'entends bien. Que je sache. Ok. Donc les gars, là c'est bientôt, là c'est le déconfinement, les choses se font petit à petit. Hi. Hein? Hi. Ah là c'est bien, elle est polie. Genre, qu'est-ce que je te disais? On va perturber l'enfant là. Elle me fait perdre mon fil là. Ouais, t'as vu que c'est le déconfinement? Comment je bégaye? T'as vu comment c'est le déconfinement maintenant? Donc tous ceux qui m'ont écouté là, qui ont commencé à lancer leur business en ligne, ils sont dans le bon timing. Si jamais t'as pas encore commencé, il n'est pas encore trop tard. Bon, il sera jamais trop tard, hein, mais c'est toujours sûr que bon, plus tu commences tôt, ben mieux c'est, tu vois. C'est le meilleur moment, c'était hier. Et le meilleur moment, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, tu vois. Donc si jamais t'es coach, expert, consultant, ou que tu veux vivre de ta passion en vendant des formations en ligne, par exemple, ben j'ai une formation offerte où je t'explique exactement comment faire. Tu vois, c'est une formation qui a une valeur de 200€. Et je te montre vraiment comment créer ton business en ligne. En fait, ça va te permettre de vendre des formations en ligne. Comment vendre des formations en ligne et vivre de ton business en ligne, en fait, à travers ta passion. Donc, pour te donner un exemple, moi, je l'ai fait avec le saxophone. Tu vois, ma passion, c'était le saxophone. Donc, j'ai créé un business en ligne sur le saxophone. Et j'ai vendu des formations en ligne sur comment jouer au saxophone, tu vois. Après, l'avantage avec ça, c'est que je vends des formations en ligne parce que je vous apprends à faire ça parce que c'est plus simple, tu vois, quand tu commences avec une passion, tu vois, tu as plus de marge en plus. Mais après, les mêmes stratégies fonctionnent si jamais tu veux vendre autre chose, tu vois. Et voilà, et pour pouvoir s'enrichir, ben, faut vendre quelque chose. Tu sais, des fois, on a l'impression que l'argent ça tombe du ciel ou genre tu veux devenir riche. Tu vois, des gens ils veulent devenir riche, mais ils se rendent pas compte qu'en fait, pour gagner de l'argent, pour pouvoir devenir riche en gros, ou pouvoir être à l'aise financièrement, ben, il faut vendre quelque chose en fait, tu vois. Donc après, le mieux, c'est de vendre son savoir. Et c'est pour ça que bah, les formations en ligne, je trouve que c'est super pour pouvoir commencer, tu vois. Moi, j'ai fait ça avec le saxophone. Ça a fait 20 000€ en une semaine. Et après, j'ai gagné 2 000€ par mois en moyenne grâce à ce business en ligne. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des gens qui me découvraient, bah, ils prenaient mes formations en ligne pour apprendre à jouer au saxophone, tu vois. Donc, tu imagines, ça, je l'ai fait avec ma passion qui est le saxophone. Donc, imagine, tu fais ça sur n'importe quelle autre passion. Je sais pas, moi, la perte de poids, je sais pas, tout ce qui est sur l'argent, tout ce qui est jardinage, même en musique, c'est ceux qui font du piano, guitare, tout ça, ça c'est des instruments que beaucoup de gens veulent faire, veulent apprendre. Il y a un marché énorme pour ça, tu vois. Et je te partage tout ça dans la formation offerte, donc tu as juste à cliquer sur le lien dans la bio pour pouvoir accéder à la formation offerte et pouvoir commencer à consommer la formation et pouvoir mettre en place les différentes stratégies que je te donne. Donc, à chaque fois que les gens ils regardent la formation, ils disent « Mais je pensais pas qu'il y avait autant de trucs dedans !» Ben oui. L'idée, c'est que dans ma formation offerte, je vous aide directement, tu vois, à gagner de l'argent. Comme ça, moi, je sais que quand vous allez gagner de l'argent, vous serez chaud pour pouvoir que je vous accompagne. Parce que vous allez dire « Ok, ben, ce qu'ils proposent, c'est du lourd. » Parce que déjà, ce qui est offert, c'est déjà lourd. Donc, j'imagine même pas dans son accompagnement comment ça se passe, tu vois. Et voilà, donc c'est ça l'idée. Donc, c'est pour ça, allez-y, t'es libre de cliquer sur le lien dans la bio pour pouvoir accéder à la formation offerte. Je te montre exactement comment créer ton business en ligne. Et l'avantage avec ça, c'est que une fois que tu auras appris les stratégies pour pouvoir vendre une formation en ligne, par exemple, bah, tu sauras exactement comment vendre n'importe quel produit, tu vois. Je veux dire, je sais pas, moi, si jamais après. Tu peux vendre ce que tu veux, quoi, en fait. Tu peux vendre des chaussures, des bananes, des t-shirts. Et, je veux dire, tu connais exactement les stratégies, tu connaîtras le marketing, tu sauras comment fédérer une communauté, comment vendre, comment récupérer l'email, comment
comment faire le marketing. En fait, tu sauras tout, en fait. Donc, du coup, c'est des compétences que, en plus, tu pourras utiliser, que tu pourras revendre, que tu pourras même aider d'autres gens à faire, tu vois. Parce que toi, tu sauras comment faire, tu vois. Tu sauras comment faire pour gagner de l'argent grâce à un business en ligne. Donc, tu pourras même proposer tes services, après, si jamais ça t'intéresse, à d'autres entrepreneurs qui voudraient avoir plus de visibilité sur Internet, avoir plus de clients grâce aux réseaux sociaux, etc. Voilà, mais si tu commences pas, il va rien se passer, quoi. Si jamais tu hésites, des fois, les gens, ils hésitent, ils me disent, je reçois des messages, « Ouais, mais est-ce que tu penses que je devrais vraiment prendre la formation offerte ?»« Mec, elle est offerte !» C'est quoi ces obstacles? C'est normal que le gars il reste pauvre. T'imagines la réflexion, tu vois? Après, c'est ok, tu vois? Voilà, moi aussi j'ai dû penser comme ça il y a longtemps. Mais après, il faut évoluer rapidement. Plus tu vas devenir une nouvelle personne, plus tu auras des résultats différents, tu vois? Mais si tu commences à réfléchir, continue à réfléchir comme tu as l'habitude de réfléchir, tu auras les mêmes résultats. Ok? Donc la formation, elle est juste dans le lien dans la bio, tu as juste à cliquer, c'est juste en dessous de ma photo de profil, le lien est juste en dessous, tu as juste à cliquer et tu pourras y accéder directement, tu vois. Donc, tu vois, et là, la formation, elle va vraiment te permettre de pouvoir créer ton business en ligne, tu vois, et avoir tes premiers résultats. Et c'est là que tu vois qu'en fait, c'est pas une question de connaissance. Tu vois, les gens à chaque fois se disent « Ouais, mais je sais pas comment faire, comment faire, comment faire, comment faire. » En vérité, tu sais comment faire, déjà parce que tu as ma formation offerte. Donc déjà, t'avais qu'à l'apprendre, si jamais tu sais pas comment, si tu veux vraiment savoir le comment. Mais pour te dire que le problème, c'est pas le comment. Parce que le comment, tu l'as là. T'as juste à cliquer sur le lien dans ma bio et tu auras accès à la formation offerte. Et tu vas pouvoir commencer à créer ton business en ligne à partir de ta passion, etc. Après, si t'es coach, expert, consultant, là, c'est encore un autre truc. J'ai fait une masterclass où vraiment, je te montre comment avoir des clients de manière limitée pour pas que t'aies à courir après tes clients pour avoir des clients, quoi, en fait, en gros. Arrêter de courir pour avoir des clients, pour que les clients viennent à toi. Donc, c'est possible avec les réseaux sociaux si jamais tu utilises les bonnes stratégies, d'accord? Et ça, je te partage tout ça dans la masterclass, si jamais tu es coach expert et consultant, ok? Donc, la vérité, c'est quoi? C'est que là, vous avez tout. Vous avez la connaissance, ok? J'avais même dit, tu en as même trop, tu vois. Il y a moi, il y a peut-être d'autres gens aussi qui vont te proposer des formations offertes. Donc, le comment, tu l'as. En tout cas, si tu prends ma formation offerte, c'est sûr que le comment tu l'as. Et tu peux pas avoir d'excuses. Tu pourras pas avoir d'excuses. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la bio et tu vois, tu pourras confirmer, revenir dans le live et dire ah oui, effectivement, il avait raison. Donc la vérité, c'est qu'il n'y a pas de problème de comment. Ok ? Le problème qu'il y a, c'est dans la tête. Okay, c'est la même chose que la perte de poids. Tu vois ? Il y a je ne sais plus combien de pourcentage d'obèses en France. Aux États-Unis, c'est encore pire. Mais en France, je crois que c'est des gros chiffres. Hein. C'est pas genre 10%, 3%. Non, c'est des gros chiffres quand même. Tu vois, je sais plus c'est combien. Je crois que c'est des 30, 40%. Aux États-Unis, c'est encore plus. Je crois que 60%. Enfin, c'est énorme, tu vois. Et la vérité, c'est le comment. Parce que tout le monde fait un peu un tas d'histoires sur les régimes. Ouais, chaque été, il y a un nouveau régime à la mode, nouveau régime miracle pour pouvoir perdre du poids. Mais la vérité, c'est que tout le monde sait comment perdre du poids. Tu vois. Il n'y a pas de problème de comment pour pouvoir perdre du poids. Tout le monde sait comment perdre du poids. Il faut manger moins, c'est tout. On le sait, ça. Moins de sucre. Tu manges moins de sucre, tu manges moins de glucides. Tu vas maigrir. Tu vois, tout le monde le sait, ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ne le savent pas? Non, tout le monde le sait. Et pourtant, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à maigrir? Est-ce que les gens maigrissent pour autant? Non, les gens ne maigrissent pas pour autant. Pourquoi? Parce que tout le blocage, il est dans la tête. Les gens, ils ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Les gens, ils sont pas prêts à faire des sacrifices. C'est tout. Ça les fait chier de devoir manger moins. C'est pas ça. Tu vois, ils n'ont pas envie de devoir arrêter de manger des gâteaux, des bonbons, des chocolats, du Coca-Cola. Ça les saoule. Ils n'ont pas envie de faire le sacrifice, en fait. Ils disent non, ça me saoule. Voilà. Et donc, du coup, c'est là qu'arrivent les vendeurs de rêves et qui viennent et qui disent ouais. Viens, je vais te faire maigrir en 7 jours. Tu vois, tu vas manger tout ce que tu veux et tu vas pouvoir maigrir. Et donc, du coup, les gens sont attirés par ça parce qu'ils disent ah, super, j'ai pas besoin de faire aucun sacrifice. Mais ça n'existe pas en fait. Tu peux pas avoir un résultat sans faire de sacrifice, quelle que soit la chose que tu fais. Donc, le business, c'est pareil. Est-ce que tu fais des vidéos sur Instagram et un business? Oui, bien sûr, c'est une partie du business. C'est-à-dire que là, les vidéos que je fais là maintenant, fait que je me fais connaître, tu vois. Donc c'est ce qu'on appelle le marketing. Je me fais connaître et du coup, vu que tu me connais, tu vas dire ok, tiens, qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il fait, et du coup
C'est comme ça que je crée de l'attention pour pouvoir après avoir des futurs clients. Tu vois, c'est une des stratégies en tout cas. Tu vois. Donc voilà, tout ça pour te dire que le problème, c'est pas la connaissance. La connaissance, tu l'as, tu as juste à cliquer sur le lien dans la bio, hein, je te le redis, pour pouvoir accéder à savoir comment créer ta formation en ligne et vendre des formations en ligne. Comment créer ton business en ligne et vendre des formations en ligne à partir de ta passion, que tu sois musicien, jardinage, basket, foot. Tu peux vendre des formations sur tout. De toute façon, même si tu n'as pas d'idée, parce que tu ne sais pas, machin, je te partage une trentaine d'idées business sur lesquelles tu peux te lancer sur une thématique pour pouvoir vendre des formations dessus. Ok, donc qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Combien de temps il faut accorder à son travail par jour? Bah, en fait, c'est simple. Plus tu vas accorder du temps dans ton business, plus tu vas avancer vite. Donc, ça dépend de tes objectifs, en fait. Tu vois, c'est, si tu as des objectifs, je veux faire 10 000 euros par mois, eh ben, il va falloir que tes actions correspondent à l'objectif que tu t'es fixé. Tu vois. Si jamais tu t'es fixé 10 000 euros par mois, mais que tu as des actions de personnes qui veulent toucher 2 000 euros par mois, bah, tu toucheras 2 000 euros par mois. Tu vois, c'est un peu comme les gens qui vont par exemple à la salle de sport. Ils se disent déjà, ah, oh, c'est bien, je suis à la salle de sport. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais quand tu es à la salle de sport? Donc, si tu fais des exercices pour t'entraîner, pour être juste en forme, bah, tu auras des résultats juste pour être juste en forme. Par contre, si jamais tu veux t'entraîner pour être balèze ou être, je sais pas si tu es une meuf, être vraiment fraîche, eh ben, il va falloir faire un peu plus. Tu vois, c'est toujours le même truc. Et on pense que pour l'argent, c'est différent. Mais ça, c'est exactement la même chose. Ok, donc comme ils disent, no pain no gain, c'est valable partout, c'est valable dans la vie, c'est valable pour tout. Que tu veux être un sportif, que tu veux être un musicien, que tu veux réussir dans la vie, que tu veux une bonne relation avec ton gars ou ta meuf, dans tout il va falloir faire des sacrifices. Il n'y a rien qui arrive où tu n'as besoin de rien faire. Voilà. Et les gens, ils veulent absolument quelque chose sans qu'ils aient besoin de rien faire. C'est ça. Et après, ils comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de résultat dans leur vie. Ils sont gros, ils sont obèses, et ils n'ont pas la meuf ou le gars qu'ils auraient voulu avoir. Ils ont un travail qui les saoule. Parce qu'ils préfèrent rester dans un truc, leur zone de confort. Faire aucun sacrifice. Donc, est-ce que tu es prêt à faire ton sacrifice? C'est parce que je suis en Floride qui fait jour. Donc, les gars, plus d'excuses. Donc, déjà commencer à aller prendre la formation offerte pour pouvoir créer ton business en ligne. D'accord, pouvoir vendre des formations en ligne à travers ta passion. Okay. Après, si tu es passionné par rien, etc., bon, tu peux quand même prendre la formation en ligne, tu verras des idées. Peut-être que ça va t'ouvrir l'esprit. C'est même sûr. Ça va t'ouvrir l'esprit le fait de voir la formation, voir un petit peu comment ça se déroule. Tu vas te dire, ah ouais, mince, j'avoue, j'avais pas pensé. Ça va te donner des idées. Et bien après, si jamais tu veux te lancer, bah, tu pourras te lancer. Mais sache que si jamais tu veux plus dans ta vie, eh ben, il va falloir faire plus que les autres. Tu peux pas fonctionner comme tout le monde et espérer être riche ou même ne serait-ce qu'avoir un revenu complémentaire de 2000 euros, 3000 euros par mois. Tu peux pas. Tu peux pas faire la même chose qu'eux. Tu peux pas faire la même chose que tout le monde. Les gars, ils ont pas de résultats. Et avoir des résultats différents qu'eux, ça n'a pas de sens. Tu vois? Et pour les prestations de services, ça marche aussi. Ah ben carrément. Pour les prestations de services, je t'encourage même à cliquer sur le lien dans la bio, tu verras, il y a une masterclass pour toi. Donc c'est plutôt pour les coachs, experts, consultants, prestations de services. C'est parfait. De toute façon, internet, les gars, c'est je veux dire, c'est l'avenir. Hein. Enfin, c'est le présent déjà, et c'est l'avenir. Là encore, on l'a vu avec le coronavirus. Je veux dire, c'est le marché, c'est où il n'y aura jamais de problème, quoi, en fait. Même si tu es confiné, internet, ça tourne toujours, tu vois. Donc, il faut absolument être sur Internet. C'est une obligation, les gars. Donc, combien de jours... Alors, il n'y a pas des moments où tu t'es dit, à tes débuts, quand tu n'avais pas forcément de coach, si tu faisais les choses de la bonne manière dans une journée de 24 heures, combien de temps accorder? Bah, tu t'organises, en fait. Après, il y a plein de choses. En fait, c'est ça. Faut pas te prendre la tête. À partir du moment où tu consacres du temps tous les jours à avancer vers ton objectif, ne serait-ce que faire qu'une action par jour, ben, tu avances vers ton objectif. Maintenant, si tu veux aller plus vite, il va falloir faire plus d'actions par jour, plus d'heures par jour. Tu vois, mais commence par faire quelque chose, tu vois. C'est ça qui compte, c'est tout. Hein.
Après, il n'y a pas de secret, il n'y a pas genre un nombre d'heures précis, si tu fais ce nombre d'heures-là, tu auras tel résultat. Non, c'est pas comme ça. Tu vois? Parce que la réussite, en fait, elle est basée sur beaucoup plus que l'acquisition de compétences. Tu vois? Il y a plein de choses qui font que tu vas réussir. Tu vois? C'est, il y a le mindset, comment tu penses, ta discipline, ta comptabilité, comment gérer l'argent. Tu vois? Parce que tu peux gagner de l'argent, mais après, pas savoir comment le gérer et le perdre. Tu vois, c'est ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs. Ils savent comment gagner de l'argent, mais ils ne savent pas comment le garder. Enfin, gagner, ouais. Mais après, ils ne savent pas comment le garder et comment le multiplier après. Donc ça, c'est un problème de mindset. C'est pas des compétences, tu vois. Les gars, ils sont super bons dans ce qu'ils font, mais ils ne savent, savent pas comment le gérer, tu vois. Donc du coup, très important. Donc c'est pour ça que je ne peux pas dire, ouais, travaille 2 heures et c'est bon. Tu vois, il y a peut-être, ça dépend. Il y a des gens qui vont travailler 2 heures par jour et ils vont tout exploser parce que derrière, ils ont un mindset de discipline, un mindset d'humilité, ça veut dire qu'ils sont prêts à apprendre, ils sont prêts à investir en eux, pour pouvoir par avoir un coach ou prendre des formations en ligne par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faut? Ils savent comment gérer leur cash. C'est vraiment du mindset en fait, tu vois. Et donc du coup, si jamais tu n'as aucune barrière dans tout ça, et ben du coup ça va aller super vite, forcément, tu vois. Pendant que la personne qui travaille 2 heures par jour réfléchit à savoir est-ce que je prends la formation offerte de Jonathan par exemple pour créer mon business en ligne, qui est en train de réfléchir, ouais mais est-ce que je devrais là, quelqu'un qui a déjà le bon mindset, ben il perd pas de temps là-dessus, tu vois. Les 10 minutes, 15 minutes que la personne a réfléchi, ou même les jours peut-être d'attendre, par exemple, peut-être il y a des gens là qui m'ont déjà vu, c'est la 3e fois qu'ils voient un live de moi, et disent ben vas-y, je vais prendre la formation cette fois-ci, tu vois. Ben genre, un gars qui a le bon mindset, bah depuis les 3 derniers jours, il ne va pas attendre le 3e live pour prendre la formation. Il va l'apprendre, boum boum. Donc du coup, il a déjà gagné 3 jours par rapport à un gars qui n'a pas le bon mindset. Tu vois, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire ouais, un nombre d'heures précis. Ce qui est sûr, c'est que si jamais tu mets des actions tous les jours pour pouvoir atteindre tes objectifs, tu vas les atteindre. Après, ça prendra plus de temps en fonction de ton investissement. Son investissement, c'est tout. Ça prendra plus de temps en fonction de toi, du nombre de temps que tu seras productif. Voilà. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo les gars. On lâche rien et on reste déterminés.